Pile à l'heure. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Pardon, apporte l'arôme. J'apporte quoi? L'arôme. Reste à la même position, ne bouge pas, ça arrive. D'accord. Parce que l'arôme, quand il n'y a pas trop le sel dans la nourriture, quand tu mets l'arôme, ça apporte une petite coloration. J'ai dit, le matin quand tu sortais de cette maison, je t'ai dit que le gaz est fini. J'ai demandé l'arôme. Moi, je te demande, je suis en train de te parler, je te pose une question. Il t'a dit que le gaz est fini, non? Tu m'as dit ça, non? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis parti au travail. Tu es parti au travail? Tu ne t'es pas dérangé. Maintenant, tu rentres le soir chez toi, tu vois le poulet, tu vois le riz, sachant que tu as rationné 1000 francs. Ça ne te dérange pas? Hey. Tu ouvres les assiettes en chantant. Non, c'est le poulet. Hein? Non, c'est pas le poulet, c'est le mbunga. C'est le mbunga qui a la chair comme ça, c'est le mbunga. C'est ça? Mince, tu me surprends, hein? Mais sinon, c'est bien parce que de temps en temps, quand on mange le poulet à la sauce tomate, le riz, quand le riz est parfumé, ça a un impact là-dessus, sur la santé. Tu sais, tu es une femme de valeur. Tu vas aller loin dans ta carrière. Tu vas prendre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que je ne travaille pas. Je passe mes journées à la maison. Mais le soir, tu rentres, tu trouves le poulet et le riz déposé devant toi. Si tu ne te poses pas les questions, donc ça ne te dérange pas. Attends un peu, tu sais, je suis conscient que tu as une petite taille. Mais c'est pas parce que ta taille est petite comme ça que ta bouche va sortir à toi à travers. Tu me suis? D'accord. Donc attends, tu me demandes que, parce que j'ai reçu 1000 francs, le gaz est fini, il n'est rien fait. D'habitude, tu me dis, bon, le courant, chaque mois je paye le courant, l'argent sort d'où? Je paye l'eau, l'argent sort d'où? Monsieur, tu travailles. Ouais. Tu travailles, moi je ne travaille pas, je reste à la maison. Bon. Je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants. Oui, quand je ne donne pas l'argent pour aller te coiffer, tu vas te coiffer, tu fais les sauna, tu fais les massages et tout et tout. L'argent sort d'où? Donc parce que tu as préparé aujourd'hui avec l'argent que je sais pas d'où ça sort, ça va devenir le fanfaronnage, le sabotage, commencer à aboyer comme le chat. Laisse, ce que je veux savoir, est-ce que ça ne te dérange pas? Ça me dérange comment? Je crois même couper voilà, c'est simple, laissons tomber. Je vais m'échanger, je vais aller revoir la personne qui m'a donné l'argent pour que je prépare pour toi. Et on va faire ce qu'on va faire, on va me donner l'argent, je vais venir préparer, tu vas manger. Bon, attends. Bon. Je vais aller voir la personne que je peux avoir, qui me donne l'argent, après venir préparer. Attends, donc si elle comprend bien, ça veut dire que l'argent, c'est un homme qui a donné ça. Tu as très bien compris. Si tu es sage, déshabille-toi, je vérifie mes choses. Si quelque chose a manqué, déshabille-toi, je vérifie mes choses.